Mais tu cherches quoi alors? Quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi. Ou juste qui m'écoute. Bon, pendant que tu cherches ton homme à l'écoute. Sympa. Putain, mais tu peux pas faire attention! Je suis désolée. C'est juste qu'en ce moment ma vie c'est... Ah, mais ça m'énerve, ça me saoule, tu comprends pas, c'était plus fort que moi, je pouvais pas. Ouais, ça t'est arrivé toi aussi. Ouais. Non mais le mec, tu vois, j'ai fait tellement d'efforts pour lui, au bout d'un moment j'en ai eu marre et je me suis dit bon, on arrête quoi. Mais ce que je m'attendais pas, c'est qu'il me bloque de tout. Ton bébé chat, tu vois, qui est... où son corps sautait sur la route. Et c'était horrible. Il y avait du sang partout et je suis sortie de la voiture, je me suis arrêtée. Et... Et j'étais là pour l'accompagner dans son dernier souffle, quoi, mais... Le lendemain, ils sont en train d'observer donc les autres départements dans lesquels ils vont travailler. Et j'avais envie de la secouer, de le dire genre réveille-toi, je sais pas, défends-toi quoi. Ah, ça m'a vraiment énervée. Et je suis pas une psychopathe, hein. Pas du tout. Ça m'a fait du bien de te parler. T'es différent des autres. T'es attentif. Observe la vie comme on observe un film.